Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu à ce titre magnifique, on va aller visiter un avion de la marine abandonné il y a plus de 40 ans. Et pour pas compliquer les choses, c'est un avion qui est stocké dans une ancienne base militaire de l'OTAN. Bon, je vous rassure, aujourd'hui c'est plus une base de l'OTAN, c'est devenu un aérodrome qui est encore en activité. Du coup, autant vous dire que d'après ce qu'on nous a dit sur le gardien, on serait pas très commode avec les intrus, en l'occurrence nous. D'ailleurs les amis, c'est la première vidéo que je fais dans mon nouveau setup, ou que j'ai galéré à faire d'ailleurs, donc j'espère que ça vous plaît. En fait, c'est surtout ça qui m'a pris le plus de temps. Bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon les gars, du coup, j'ai vu cette vidéo avec mon téléphone juste après le fameux abattoir qu'on a visité là, il y a quelques minutes. Parce que sur le chemin, en fait, 20 minutes après le spot, on a ce spot incroyable avec un avion de la marine abandonné. L'intérieur est ouf, on va essayer de s'y faufiler parce qu'on est un peu gros, donc est-ce qu'on va réussir à se filer, c'est un autre débat. Franchement, il est archi beau. Alors, je sais pas depuis combien de temps il a abandonné, hein. Franchement, mais vu la gueule, ça fait quelques années. Hein. Hein ? Ouais, c'est ça. Mais tu sais qu'à l'intérieur, j'ai vu une espèce de cuisinière. Ouais. Une cuisinière, gros. Oui. C'est ça, si tu veux, ça a volé pendant des heures et des heures. C'est des avions pour faire de la surveillance en mer. Ouais. Tu sais, pour surveiller tout ce qui est sous-marin, bateau et tout ça, qui sont dans des endroits où ils devraient pas être. Et du coup, ouais, ça vole pendant des heures et des heures. Ça, c'est des trucs, ça part 10-12 heures, tu vois. Putain, c'est incroyable. Le logo marine. Faut savoir que du coup, la seule entrée, c'est ici, juste en dessous. On va donner une plus petite. Hein. Ouais, mais nous, on passera jamais, gros. Bouche. On passera jamais, gros. Attends. Ouais, pas ouf. Regardez ça. Là, c'est l'entrée. Et là, c'est pour. Je crois que c'était pas pour le temps d'atterrissage, ça. Ah ouais? Ouais. Non, là ça devait être pour jeter des trucs, tu vois. Genre des bombes? Ouais, par exemple, ouais. Genre toi t'es une bombe, genre est-ce qu'on t'a jeté, genre? Ouais, moi je suis passé par là. À la naissance, je suis sorti ici. Et ta mère, c'est-à-dire qu'elle est aussi grosse que ça? Ouais. Un crack. Bon les gars, c'est parti, on va explorer ce fameux avion de la marine abandonné. J'espère que la vidéo va vous plaire. Alors je pense, soit je vous fais une vidéo complète sur ça. Enfin une vidéo complète de 5 minutes, hein. Soit je la mets à la fin du coup de l'exploration qu'on a fait dans la vidéo juste avant. Les gars, on se faufile ou pas à l'intérieur? Du coup les gars, on se faufile à l'intérieur, c'est un truc de fou. Avion de la marine les gars. Bon, je vais essayer de me passer parce que quand même je suis gros, voilà, on va pas se mentir. Du coup putain, c'est collant de partout frère. Bon vas-y, je vais essayer de monter. Bon du coup les amis, petite pause dans la vidéo pour vous expliquer que si jamais le format de la vidéo est un peu bizarre, c'est-à-dire que vous avez des petites parties en mode story Instagram ou quoi, c'est normal parce qu'en fait de base dans la journée on a fait un vieux manoir abandonné qui était juste incroyable, d'ailleurs la vidéo sort la semaine prochaine. Bref. Pendant notre exploration de ce fameux manoir, on a vu un urbexeur en fait qui nous a tout simplement dit que à 20 minutes de route à côté du manoir, il y avait effectivement cet avion abandonné. Donc c'est lui qui nous a filé le spot. Merci à toi si tu vois la vidéo. Avec ce qu'il nous a dit sur le gardien, on a préféré ne pas sortir le matos, la grosse caméra qui me filme actuellement. Je préférais sortir mon téléphone, filmer avec et pouvoir être beaucoup plus mobile parce qu'en fait on allait rentrer à l'intérieur de l'avion. C'était hyper exigu, hyper étroit. Je n'ai pas voulu sortir les grosses caméras, sachant que déjà nous-mêmes on est gros. Mais au final, on a eu de la chance parce qu'on a absolument trouver personne, il n'y avait pas de gardien, il n'y avait rien du tout. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut à tous les abonnés de Raph, c'est Kevin. Bon, lui il est trop gros, donc c'est moi qui a repris le téléphone. On est dans un ancien agent de la marine qui a abandonné, comme il vous a dit avant. Je me suis faufilé à l'intérieur, c'est totalement incroyable. Sérieux, c'est de la folie. Est-ce que vous voulez que je le remplace sur son Insta et sur sa chaîne YouTube? Votez dans les commentaires. Ça, votez si vous voulez que je le remplace. Allez, vu que Raph est trop gros, c'est moi qui vous emmène dans l'avion. On va se promener un peu, on va visiter. Je sais pas si vous avez déjà visité un agent de la marine. Pas être trop gros, hein. Ah, faut ramper pour passer quoi. Hop là. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses abonnés. Hop là. Ah, les gars, je suis à 4 pattes. Sérieux. Je reprends dans une seconde. Là, on s'approche du cockpit. On est pas mal là. Franchement, les gars. On va voir si on voit Raph. Raph, t'es où? Fais coucou à tes abonnés. Hey. Une petite pièce en bas là.
Oh, c'est incroyable, regardez-moi ça. Oh là là là. De toute beauté. Regardez-moi ça, les gars, on est dans le cockpit de l'avion. Enfin, ce qu'il en reste. C'est oufissime. C'est incroyable, jamais de ma vie je pensais que je monterais dans un avion de la marine, sérieux. C'est incroyable. C'est un truc de ouf. Là, franchement, on est bien. Oui, je suis essoufflé. Oui, je respire comme un porc. J'en peux plus. C'est trop d'efforts pour moi, là. Du coup les amis, franchement ce lieu était incroyable. C'était, ça change vraiment d'habitude. Oui, je suis en train de tenir mon panneau LED avec le bras, tout simplement parce que j'ai pété le trépied tout à l'heure. Technique de clochard, on connaît. Du coup franchement ça fait plaisir de découvrir des lieux comme ça, parce qu'en final on est toujours habitué à visiter des châteaux abandonnés, des manoirs, des hôpitaux, des trucs comme ça, franchement. Et là pour le coup, avoir un avion de la marine abandonnée, ça changeait vraiment. Et c'était super stylé à voir. Et c'est bien voilà de découvrir plusieurs spots, d'avoir plusieurs spots différents, plusieurs lieux de différents types, toucher à tout. Pense pas à ça. Nous d'ailleurs les amis, on se déplace énormément dans toute la France. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram de gens qui veulent qu'on vienne les voir et faire de l'urbex avec eux. Faut savoir que bientôt, sûrement cet été, on va faire une petite série où on va aller du coup visiter des lieux avec du coup des abonnés. Et ça va être archi stylé. D'ailleurs n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, à m'envoyer un message et peut-être qu'on passera dans ta ville faire une vidéo ensemble. La prochaine vidéo sortira la semaine prochaine et ça sera sur un vieux manoir abandonné assez incroyable. Donc n'hésite pas à t'abonner pour la regarder et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des gros bisous. Waouh, la gueule. Waouh.